Bonjour, je viens de me faire une installation d'antenne fixe, facile à mettre en place pour les salons, l'expédition, etc. J'ai commencé par faire un trou dans la remorque et un peu décalé vers l'avant par rapport à l'essieu, de façon que quand la remorque est posée par terre, qu'elle ne risque pas de basculer en arrière. Puis j'y ai mis le morceau de tige filetée que l'on voit sur la photo pour bloquer le bas du tube. Puis j'ai attaché quatre chaînes aux quatre coins de la remorque qui vont me servir de bannage ajustable et réglable par les tendeurs à cage. Vu où j'ai attaché ça, j'y ai rajouté des colliers tête en bas pour pas que la chaîne glisse sur les tubes de la remorque. Les tendeurs que l'on voit en croix, c'est juste pour gagner du temps pour la mise en place sur les salons. Comme ça, je peux partir directement avec le premier élément de fixer dans la remorque. Pris comme ça en sandwich, je suis sûr que mon antenne est bien alignée avec le tube. Voilà l'installation terminée. En plus, je peux quand même bouger facilement tout l'ensemble. En cas de vent, j'ai prévu un aubanage en cordelettes de nylon de 10 mètres chacune, sous l'antenne, car j'ai quand même 6 mètres de tube. Même la remorque posée au sol, tout tient très bien sans aubaner le dernier niveau. Pour les endroits où je ne pourrais pas poser la remorque, je me suis fait une installation directement au sol. Ce que l'on voit là, c'est mes quatre piquets pour mon aubanage en 3 ou 4 points avec de la ferraille de récupération. Vu que j'ai fait tout ça tout seul, cette installation au sol, je l'ai donc fait en 3 points. Et pour avoir le meilleur angle pour les haubans, j'ai posé mes tubes par terre pour me donner l'emplacement exact de mes piquets, et ça en triangle. Premier test avant de mettre l'antenne. Là, je suis à 4,50 m du sol. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement oublié de mettre le quatrième tube qui m'aurait permis de monter à 6 mètres. Voilà, ce coup-ci, l'antenne est dessus. Pour installer les radiants et régler l'antenne, avec un escabeau, ça m'a été quand même plus pratique. Vu que les piquets étaient bien enfoncés, j'ai pas pu les arracher comme ça. Il ne reste plus à aller n'importe où avec ma remorque pour passer au test. Voilà, bon, maintenant là je suis en place. J'ai trouvé une colline à côté de chez moi. Alors avec les stations du forum, les ondes du routier, on va voir là un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là je suis vraiment là au pied de ma remorque et on voit l'antenne là qui est perchée assez haut. J'ai eu un petit peu de vent là quand même et j'ai oublié de retirer mon serre-joint. Et bien c'est là qu'on va voir ce que ça donne. Ah le gag. Bon, c'est pas grave, j'ai regardé le TOS, il n'y a pas de souci, tout est ok, tout va bien. Et oui, j'étais au téléphone en même temps pendant l'installation, et puis hein, tout le monde le sait, on sait pas faire deux choses en même temps. Hachis trois coups. Ok, voilà, donc il est temps de passer, il est temps d'appeler. Attention 14, Victor Echo 27, Eric, pour 14,
Oscar Delta Romeo 002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi, qui t'appelle pour un test en situation, ben, comme si j'étais en expédition. Quoi. Ok, 100%, Rémi, 100%, de mon côté, c'est du 53 au dernier passage, voilà. Et ben, les bonnes amitiés, voilà, puis à toutes les autres stations qui y a derrière, de 14, Victor Eco 27, l'opérateur Eric, Ok, d'accord. Eh bien là, moi, je suis en petite puissance, hein, puisque là, je suis avec un Superstar 3009EL. Donc, avec la puissance du poste uniquement, j'ai aucun Alpha Lima, là, j'ai absolument rien derrière. Et bon, ça a l'air de bien marcher, là. Donc, pour le QTH exact, là, en ce qui me concerne, je suis sur la colline qui est entre Saint-Magne-de-Castillon et Sainte-Colombe. Autrement dit, je suis à 4 km nord-ouest de Castillon-la-Bataille, ce qui doit faire à peu près 12 km est-sud-est de Saint-Émilion. Voilà ce que ça doit donner à peu près. Donc là je suis en condition, comme si j'étais en expédition. Hein. Et à propos d'expédition, là, tout à l'heure, là, avant d'arriver sur cette fréquence, j'ai entendu le Portugal qui est également en expédition, loin derrière, là, sur le 555. Donc là, oui, tu m'arrives fort et clair. Hein. Alors, tu vois, là, je papote tellement que du coup, j'ai zappé ton report. C'est pas grave. Retour de micro. Ok, pas de soucis. Le dernier passage, c'était du 60. De bon radio, voilà, ça passe très très bien, voilà. Et mais moi, mes conditions de trafic, donc, super, c'est 6000. Ah, c'est mon téléphone qui fait les... Avec un micro de base statique et une antenne verticale comme 2 millions, voilà, retour. Ok, ah, j'ai mon téléphone, là, qui est en train qui fait des siennes, là, sur la colline. Ah, du coup, là, par moment, il m'a coupé, là, la réception. Et c'est, en tout cas, c'est une radio 5 bien forte, un Satego qui monte à 9+10, hein, par moment, là, vraiment dans les pointes. Là, ça passe vraiment, vraiment très fort, là. Alors, est-ce qu'à tout hasard, il y aurait d'autres stations, là, du forum, les ondes du routier, là, qui seraient en écoute, là, derrière? Oui, 048, j'ai entendu, j'ai pas bien entendu le reste. Oui, 048, les bonnes, ce sont 1351 à vous, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, en QTH, je suis là, je suis en mode test pour les expéditions, le truc comme ça. Donc là, je suis sur une antenne de fixe, une président Himalaya, perché à 6 mètres de haut, et le tout installé dans une remorque. Voilà pour les conditions là, du côté de l'antenne. Et pour le poste, eh bien, c'est un Superstar 3009EL, avec juste là la puissance du poste. Hein. Il n'y a pas d'Alpha Lima, il n'y a rien derrière. Ok, il y a eu un petit peu de surmodulation sur la fin là, de l'étranger. Vu l'accent, je pense que ça doit venir du Portugal. De toute façon, via le forum, le chat du forum, parce qu'en même temps, il y a un QSO qui se fait en parallèle sur le chat du forum, les ondes du routier, là, pour avoir les news. Donc, Eric, 14 Victor Echo 27, si toutefois tu es sur sur Internet, ah, ça sera assez amusant là que tu fasses un petit peu le relais, car là, tout le monde est aux abois là sur le forum. Là, tout le monde est en attente et essaie de nous avoir en même temps par la même occasion, car tout le forum sait qu'on est sur cette fréquence-là et qu'on est en train de faire ces tests actuellement, là, ici, là. Ok, Rémi, 100% PSL. J'attends mon PC portable et je vais l'installer à côté. Voilà. Donc je te relève ce micro et je rappelle dès que je suis opérationnel.
opérationnel. Ok, d'accord, ça marche. Alors attention, les stations en fréquence du forum des ondes de Woutier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là sur les ondes là pour voir un petit peu là ce que ça donne? Voilà, je suis en même temps un petit travelling là dehors pour montrer un petit peu le dégagement là que j'ai là ici. Là, je domine toute la vallée là. Alors je sais pas si on voit vraiment sur la vidéo, mais là, si mon tir est bon, droit devant. On devrait voir, mais vraiment dans le fin fond, on devrait apercevoir l'antenne de Bouillac, je pense. Là, sauf erreur de ma part, ça devrait être quelque part par là-bas. Voilà, donc, alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre éventuellement à l'écoute, là, pour un test en situation réelle, expédition, pour 14 Oscar Delta Romeo 002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi. Ah, visiblement c'est trop loin. La station que j'ai eue tout à l'heure, bon là ça s'est un petit peu calmé là au niveau QRM. Bon, j'ai mon téléphone qui me joue des tours là par moment, là c'est bien dommage là, sur la vidéo. Il aurait fallu que j'éteigne la partie la téléphone là que ça aille beaucoup mieux. Alors oui, la station que j'ai eue tout à l'heure en fréquence, peux-tu revenir s'il te plaît? Bon, attention, les stations en fréquence, pour 14 Oscar Delta Romeo 002, QRZ local Dandy 33, opérateur Rémi qui vous lance appel en station mobile fixe, HI, pour un test, justement, un test d'antenne, voir un petit peu ce que ça donne là pour faire des expéditions, un truc comme ça. Et je me mélange les crayons. Oui, la station, les modes, ce sont 1351 à vous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi. En avant. Oui, j'ai entendu quelqu'un appeler, là, en avant la station. Ah là, j'ai pas tout compris, là. Désolé, les 88 YL de 14 Oscar Delta Romeo 002, QTH Sud-Ouest France, secteur Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, en mobile. Attention Rémi, pour Eric. Ok Eric, vas-y en avant. Ok, ça y est, je me suis connecté sur le forum, voilà, donc... J'ai annoncé la fréquence sur laquelle nous sommes en ce moment, voilà. Donc je les ai invités à venir nous rejoindre, voilà. Retour, Ok, d'accord. Mais je pense qu'il me semble que Pascal a dû en faire autant aussi. J'ai entendu là quelqu'un, là, dans le lointain, ça a été très bref. Et puis, rien de plus, quoi. Là, c'est... on est relativement isolé ici, hein, par rapport aux autres stations du forum. Attends, je suis en train de voir quelqu'un en train de manœuvrer là, droit devant moi. Ça va être un petit peu chiant s'il vient par ici. Non, c'est bon. Il a dû prendre une autre direction, tant mieux pour moi. Ok, bon ben... je sais pas si je vais pouvoir continuer bien longtemps. Alors attends, je vais... Attends, je bouge... Oh putain, ça va pas le faire. Je vais être obligé de couper la vidéo momentanément. Il faut que je décale la remorque là sur le bord. Sinon, là, la voiture qui arrive en face de moi va pas pouvoir passer. Quoi. Bon voilà, ok. Ah, j'entends quelqu'un. Allô, Michel. Attention, Michel. Allô, mon cher ami Michel. Côte d'Ivoire. Notre ami Philippe, en Sénégal. Et vous êtes ici, sur la Vende. Ici, vous va copier votre ami Robert, qui vous appelle à la grande ville de Pointe-Noire. Oui Eric, tu l'as entendu? Oui, bonsoir à la station de Mayer, les amitiés de 14 Victor Eco 27. L'opérateur Eric en compagnie de la station Dundee 33 sur la région de Bordeaux, là, la
Oui, attention à la station qui vient d'appeler. Les bottes sont 1351 à vous. De la part de 14 Victor Echo 27 qui est sur le secteur de Bordeaux. Et de moi-même, 14 Oscar Delta Romeo 002, secteur Saint-Émilion. Ouais, a priori, ouais. Ouais, bah tu vois, bon là, avec la remorque, là, j'ai bouché le chemin. Hein. Alors bon, bah c'est pas grave, avec l'antenne installée dessus, là, avec tout le tremblement dessus, eh bien, j'ai attrapé la remorque, je l'ai déplacée comme ça à bras, et puis ça a pas gêné du tout. Et puisque, voilà, pour montrer que bah, tout va bien, voilà, je suis en train de faire un petit zapping là sur toute la hauteur de l'antenne. Alors attends, hé, tu vas rigoler. Sur les photos, t'as vu que pour faciliter l'alignement de l'antenne là sur le tube, j'ai mis une planche de chaque côté avec un serre-joint que j'enlève après, quoi. Oui, sauf que là, eh ben la planche et le serre-joint, eh ben elle est restée dessus. Et j'ai pas de tosse, j'ai rien, ça fait un petit peu gag là sur le coup. Bon, ça sera la petite fausse note de la vidéo, c'est pas grave. C'est là qu'on voit que, ben, toi, j'étais au téléphone en même temps, là, tout à l'heure. J'étais avec Pascal au téléphone, hein, quand j'ai monté l'antenne. Et faire deux trucs en même temps, ça me réussit pas du tout, quoi. Attends, Rémi, deux secondes, il y a la station du Sud-Afrique, là, qui appelle. Ouais, attention le Sud-Afrique, attention le Sud-Afrique pour le Sud-Ouest France. Congolaise, ville de Pont-Noir, de voyage tout de suite, merci. Oui, la République congolaise 7351, c'est la station 14 Victor Echo 27, l'opérateur Eric, le Sud-Ouest France, la Gironde, comme je disais, en expédition et activation avec la station Dundee 33 de la Gironde aussi, voilà. À mon dernier passage, c'était du 55, retour le Congo. Ouais, attention le Congo pour le Sud-Ouest France, les bottes 73-51 à vous. De la part de 14 Oscar Delta Romeo 002 en compagnie de 14 Victor Echo 27 Sud-Ouest France. Attention la station congolaise là, pour le Sud-Ouest de France, la division 14, la QSL. Ah, il me faudrait mon autre poste là, celui-là que j'ai au cuir. Hein. Là, ça passerait déjà beaucoup mieux. J'aurais plus de vitamines. Parce que là, je suis juste avec vraiment que les watts du poste, hein, c'est tout. Hein. Donc là, je suis quand même assez en petite puissance. Il n'y a pas de souci, là. J'ai ce qu'il faut, là. Mais je viens de faire un petit vaisseau. Pendant que tu étais en train de moduler, on a parlé tous les deux ensemble. Voilà, il m'a répondu la première fois. Hein. Ah, ok, désolé. Voilà, c'est donc du matériel, donc c'est pour ça qu'il y a des petits temps de retard. Voilà. La station du Congolaise derrière, là, si elle est toujours là, retour micro, la station à vous. Attention, le Congo pour le Sud-Ouest de France. Je pense qu'il y a eu une chute de propagation, ça risque de revenir. On attend un petit peu, voilà. Mais s'il y a d'autres stations derrière, moi je leur envoie les amitiés de 14 Victor Echo 27. L'opérateur Eric, voilà, donc j'entends pas grand monde de mon côté, mais si on me reçoit, voilà, tu feras le PSP, Rémi. Oui, affirmatif, justement, tiens, sur la fin, là, j'ai entendu un coup de sifflet. En avant la station, là, qui vient de lancer un coup de sifflet pour 14 Oscar Delta Romeo 002, en compagnie de 14 Victor Echo 27, le Sud-Ouest France, à votre écoute. Bon, j'ai l'impression que la propague est en train de nous jouer des tours, là. Là, c'est... Ouais, à tous les coups, ça doit être ça, hein. Et par contre, elle est surprise, ces derniers temps, la propague était surtout du soir, et aujourd'hui, elle était plutôt du matin. Matin, début d'après-midi, puisque j'ai entendu des départements comme le département 57, département 59, j'ai entendu la Bretagne aussi. Bon, j'étais pas mal assez occupé, donc j'ai pas pu leur répondre, hélas.
Bon, j'ai entendu tous ces coins-là, là, ça tournait pas mal quand même. J'ai entendu le Jura, oui, j'ai entendu le Jura aussi, là, aujourd'hui. Et ça tournait quand même pas mal, là, au niveau propague. Et là, ça a l'air d'être assez bizarre, là, pour le moment. Par contre, je suis en train de regarder l'heure. Il est quasiment 20h. Bon, je vais arrêter les tests, hein, retourner au QRA, rejoindre mon YL, là, qui est en train de m'attendre. Ok, 100%, voilà. Donc là, je suis en train de faire le QSP en même temps avec le forum, voilà. Donc apparemment, il y a... Requel qui ne nous copie pas. Nico, oui, apparemment, il nous entend. David, 57, lui, de son côté, sur la Moselle, c'est du négatif, voilà. Pascal apparemment non plus, il a beaucoup trop de QRM, voilà. Donc qui c'est que sur Airbus qui est actuellement connecté, toujours, non. Personne d'autre, voilà, mais j'ai fait le petit QSP. Retour à toi, Rémi. Ok, c'est super sympa. Ah mais il faudrait que je débranche le poste là que j'ai au QRA, là que j'aille le mettre là dans le push, là que je fasse un truc assez sympa et que je refasse à nouveau des essais un peu plus tard. Ou alors, enfin bon, ça dépendra du courage, c'est surtout ça, quoi. Parce que là c'est plus du tout la même installation à faire là pour le coup. Là. Ok, eh bien je te remercie bien, je crois que là on a duré un peu plus longtemps que prévu là pour le test. Et je te remercie bien, les bonnes sont 1351 à toi, bonne soirée ainsi qu'aux éventuels écouteurs et à la prochaine sur les ondes. Ok, 14 Victor Echo, je te remercie, il n'y a pas de souci. Rémi, de 14 Victor Echo 27, opérateur Eric. Voilà, et puis donc à toi maintenant de mettre la petite vidéo qui va bien, voilà, pour donner suite un petit peu à tout le monde. Allez, 73-51, merci beaucoup, et puis aux autres stations derrière, s'il y en a qui me copient, la bonne soirée, les 73-51, mon garçon solide et liquide, et puis à bientôt à tous sur les ondes. Allez, bonne soirée, bye bye. Merci, bye bye à tous. Calling and standing by. No, but... Okay, so we're here, we will go.